Le CDC a publié une liste d'offres d'emploi pour les conseillers en quarantaine en novembre 2019, des mois avant la pandémie du coronavirus ou Covid-19. Le Center for Disease Control a publié une offre d'emploi pour des conseillers en santé publique dans le programme de quarantaine dans toutes les grandes villes américaines en novembre 2019, au moins un mois avant la nouvelle épidémie de coronavirus Covid-19. La liste d'emplois est pour des postes à Dallas, El Paso, Houston, Seattle, Anchorage, Los Angeles, San Diego, San Francisco, Miami, Atlanta, Honolulu, Chicago, Boston, Détroit, Minneapolis, Newark, New York, Philadelphie et San Juan. La description de poste se lit comme suit, emploi de représentant de chef de projet pour un programme chargé de prévenir l'importation et la propagation des maladies transmissibles. Toutes les villes aux prises avec des craintes de coronavirus aux États-Unis sont répertoriées sur la demande d'emploi. Tout indique que le CDC était au courant de la survenue de l'épidémie de coronavirus, soit le CDC a caché cette épidémie au public ou cette épidémie a été planifiée par le CDC car ils ont la capacité de voir le futur.